cochon par la main. C'est pas la place. Alors, l'histoire des petits cochons, je connais l'histoire des petits cochons. Toi, t'as un grand garçon, toi. T'as quel âge, 12, 13, 14, 12, 18 10. Ah, toi, je t'ai pas loin. Hein. Ouais, c'est pas loin. Alors, l'histoire des petits cochons, c'est trois petits bonhommes. Ici, 1, 2, 3. Et trois petites maisons. 1, 2, 3. Tu vois. Et donc, pour les protéger du loup, parce que tu es dans l'histoire des petits cochons, il y a le loup. Alors, je parle un petit peu rapide, parce que bon, on ne veut pas que ça soit trop long pour la vidéo. J'ai mes petits cochons ici, donc sur celui-là, trop jeune. Et je le protège pour la petite maison. Je dis, ah, par cadavre, hop, il a traversé le talus. On recommence. On va faire rejoindre le premier petit cochon par le deuxième. Vas-y, tu peux bien travailler. Vas-y, 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 c'est exprès, justement. On est en train de faire un plâtre, on est en train de faire un plâtre. Alors, le petit cochon est là, tac, 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 à partir de la bras. T'as vu? Et le troisième petit cochon, on va le protéger, il est là. Alors, on va mettre sur rouge pour changer. Hop, ils sont là tous les trois. Mais dans l'histoire des petits cochons, on les protège bien. Donc, la maison en paille, en bois et en brique. Bah oui. Alors, le loup est malin, il passe par fou. Et les petits cochons ne sont pas bien malins. Ils ouvrent la trappe et première maison, deuxième maison, troisième maison. Oh, regarde, le loup il a traversé la cave. C'est un grand malin. En fait, ça ne vient pas souvent. Mais à l'habitude, mais là, c'est assez grand. Ça va, c'est un peu gros, ça va. Et donc, le loup, il a mangé les petits cochons. Mais comme les petits cochons, ils sont comme le plus gastrus, ils sont.